beaucoup de projets. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas vu le jour. Mais cette année-là, on tire pour voir ça. Là où tu m'as abandonné, cette année faut me donner. Et puis là où tu as donné, pardon pour multiplier. À cette année-là, mon Dieu faut voir mon gars. C'est que je n'ai pas là, pardon faut me donner ça. À cette année-là, mon Dieu faut voir mon gars. L'argent, les gens disent que j'ai là, pardon faut me donner. Ah, 24 décembre, je vais acheter ma chaussure. Il y a promotion des fêtes. Mais je suis mais, j'ai pas reçu mon agent des fêtes. Son numéro passe pas. On va régler les dossiers après la fête. Fête est finie. Fête là, c'est fini. On va respirer. Aïe, Adama. Tu fais un peu. Non, non, non. Là, comme ce sont les fêtes, on va voir. Fête est finie. On peut reprendre le quotidien? On peut reprendre le train-train? Merci. Alors, bienvenue au deuxième numéro de la semaine de Madame, Monsieur, bonsoir. Et ce soir, entre nostalgie, émotion et aussi débat à sujet très houleux, nous allons conjuguer l'optimisme de bon aloi afin de vous offrir le meilleur des afterworks en télé. En plateau ce soir, nous avons Stoney et Raïté. C'est ensemble qu'on vous dit bonsoir. Bonsoir en direct de RTI 2. Je suis avec Stoney et Raïté, je le disais tout à l'heure. Salut. Salut, salut. Ça va bien? Ça va. Et on se remet des fêtes? Oui, un peu. Mon cher, on a tout fait le jour, on est fatigué. Mais par la grâce de Dieu, on se porte très bien. Et puis, je vous souhaite encore une très bonne année 2024. Que Dieu réalise toutes les bontés que vous souhaitez. Amen. Ouais. Alors, Stoney, après la fête, c'est la défaite ou pas? Non, jamais la défaite. Pour nous, les debouts, c'est jamais la défaite. Oh, et Seigneur. Seulement les coulées vont subir cette défaite. Et puis, je pense que cette fête-là, beaucoup ont fêté ça en famille. Hein. Les Ivoiriens ne sont pas trop sortis. Je ne sais pas s'ils gardent leur argent pour la CAN. Mais en tout cas, les conséquences de leurs actions passées les ont conseillés. Ils ont su qu'il ne faut pas tout dépenser dans la fête. Fait qu'il y a ces conjoints en janvier. Voilà. Et tu me permets, Lynn, en même temps, de lancer ce message. Nous sommes à quelques jours de la CAN. Les gens vont venir nous voir dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Mmh. Et j'aimerais parler aux usagers de la route, surtout à ceux qui ont les véhicules. Alors, vous savez, on a déjà été, chacun d'entre nous, enfumé, j'avais dit ça comme ça, par une voiture. Vous voyez souvent, quand vous êtes sur la route, il y a un véhicule qui est devant, et puis c'est comme si tu es dans les nuages. Tu ne vois plus rien devant toi. Mmh. Parce que le gars a décidé d'avoir une voiture dont il ne peut pas prendre soin. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les voitures de transport. Parce qu'avant, c'était les Baka, les Woro qui fumaient. Maintenant, tu vois le gars, il est dans base, la climatisation sur lui, il a monté les vitres. Lui, il est à l'aise là-bas et puis c'est nous qui souffrons ici. Mm-hmm. Et ça, je vais dire que c'est déplorable. Selon une étude du ministère ivoirien de l'Environnement, 60% des véhicules en circulation à Abidjan ou en Côte d'Ivoire sont à l'origine de pollution de l'air. Mmh. Alors qu'on sait que les polluants que nous inhalons sont à l'origine des gènes respiratoires de certaines maladies comme les irritations et même du cancer, parce que l'Organisation mondiale de la santé l'a prouvé. Et donc, nous respirons
du danger comme ça. Moi, je demande aux gens, si vous avez une voiture, vous savez que vous ne pouvez pas prendre soin de la voiture, il faut garer. Mmh. Vous roulez avec des vieux moteurs, vous ne faites pas vos vidanges, vous prenez des huiles bizarres, et puis c'est nous, sur la route, on subit les conséquences. Il faut que ça s'arrête pour cette canne-là, ne venez pas enfumer le pays. On n'est pas en train de faire vente de poissons magnes. Donc, il faut arrêter ça. C'est vrai que le gouvernement a pris des mesures pour dire que interdiction d'importer des véhicules de moins de 5 ans pour qu'on puisse s'équiper en véhicule neuf. Mais aujourd'hui, ça m'étonne de voir que des véhicules comme ça circulent et qui ont leur visite technique à jour. Mm-hmm. Comment ils font pour avoir la visite technique à jour? Question. Il faut que ça. J'y arrive. Il faut que ça s'arrête tout ça. Il faut des contrôles stricts parce que il faut dire qu'on va laisser notre environnement à nos enfants. On va partir. Mais si on leur laisse un environnement malade, ouais, si on est en janvier, au lieu qu'on va profiter de la canne, il pleut à cause de vos agissements. Vois-tu là, c'est forcé. Mais j'ai même pas senti la matin. La matin arrivé à Abidjan, tellement Abidjan est dû. La matin est retournée à Korogo. Vous ne pouvez pas rester à Abidjan. Donc franchement, c'était beaucoup de gueule sur les véhicules qui fument et qui polluent l'environnement. Merci beaucoup à toi, Stony, pour ce coup de gueule très pointueux. Alors, permettez que je dépose ma fougue de côté et que je devienne une dame très douce, oui, avec une voix envoûtante, veloutée. Parce que notre invité de ce soir, il est doux. Il incarne même la sagesse, la douceur. Il est époustouflant, virtuose, envoûtant, très expressif et passionné surtout. Je dirais même limite charmeur. Parce qu'à une époque très donnée, il a fait pleurer nos mamans, nos grandes sœurs, nos tantes. La tante qui venait crayonner les yeux et puis crayonner les cheveux. Elles ont pleuré quand les autres l'écoutaient. Il est avec nous ce soir et avec lui, nous allons effectuer notre débat. Eddy, c'est notre guest. Je me permets quand même de me déplacer car on reçoit une légende ce soir. Donc, madame, monsieur, bonsoir. Sécurité, oh, le mari que tu veux. Qu'il te faut un homme avec qui tu as la même vision. Un homme courageux qui te protège. Un homme ambitieux qui te soutient. Un homme intelligent qui aime tes parents. C'est un mari comme ça que toi tu veux, oh. Il est au mari que tu veux là-haut. Qui ne ment pas, un mari qui te trompe pas, eh. Il est au mari que tu veux là-haut. Qui ne ment pas, un mari qui te trompe pas, eh. Un homme sincère, oh. Il est sérieux, oh. Oh non. Dès arrête. Comment, Stony? Bah, je suis très sérieux. Non, il non, le non, sait. Non. C'est... Il ne faut pas gâter la musique. Ah, Stony, tu m'as inspiré cette chanson. Non, dis oh, pas. Seigneur, révélation. Il faut parler encore. Il t'a fait quoi? Non, tu m'as inspiré cette chanson, mon ami. Non. Non, parce que tu sais, je te connais de près et de loin. C'est ça. J'ai vu tes agissements. J'ai vu que tu soutiens la femme. Oui. C'est l'homme exemplaire. Oh, Seigneur. Oh. Ta bouche mettez le son. C'est ma chanson. Hey, oh, Marie, que tu veux là. Je veux m'asseoir, c'est mieux. Pas, Marie, qui t'es trompé pas. Non, oh, c'est arrivé là, mieux. Je reste à ma place. Ma Chloé, ma Chloé. Aïe, oh. Mais donc, viens là, Sonia. Oh. Dieu va te donner, oh. Le mari que tu veux, oh. Bon, oh. Les hommes sérieux, merci. Aïe, oh. Les hommes sérieux, merci. Merci. Okay. Merci à nous les maris sérieux. Tony, félicitations encore. Merci mon vieux Eddy. Mais en fait, les droits d'auteur, là, je pense que je vais te déclarer. Enfin, c'est toi qui m'as inspiré. Là. Ah, mais faut faire combien de pourcents? Oh. Parce que l'affaire de David Ayrou à la toilette à la Nila, on n'a pas bien discuté de on ça. On n'a pas bien dit. Bon, je vais 40%. Je vais te donner juste une petite partie, peut-être 10% quand même. Non, c'est quelque chose, c'est quelque chose. J'ai 6 enfants. Hein, donc. C'est quelque chose. Au revoir, d'une manière. Eddy, bienvenue. Merci. Bienvenue à toi, la sauce intarissable, l'homme intemporel. Le gars qui détient le meilleur classique, parce qu'il faut reconnaître que Amma, ça fait quand même 16 ans. Amma, c'est depuis 2000. Non, donc... ouais, non, ça fait 24 ans. 24 ans. 25 ans de carrière, 10 albums. Voilà. Bravo.
Waouh, franchement, bravo, alors, Eddie. Lynn, c'est que la dernière fois que j'ai vu Eddie ici, il venait en béquille. Et je suis dans une joie, parce que là, il est venu sans ses béquilles. Mmh. Ouais. Ça veut dire que Dieu a travaillé. Ma masseuse aussi est forte. Ouais. Et je veux dire, Dieu a travaillé. Ce homme que vous voyez à l'antenne à 48 ans, c'est pas notre camarade. Waouh. Il est jeune, il est frais. Mais... Est-ce que tu connais mon âge? Il y a l'homme qui est âgé aussi. Complète d'ici pour lui. Et puis fait moins 20. Et même... Madame, Monsieur, bonsoir. En direct de RTI 2, nous répondons au canal 2 et aussi sur la TNT au numéro 2. Voilà, et vous tombez à pic pour l'instant invité avec la légende Eddie. Moi, je dirais c'est comme ça parce qu'on ne va pas rendre hommage lorsque tu seras plus de ce monde. Parce qu'on a failli perdre justement cette légende-là et on est hyper heureux de savoir que tu es de retour en pleine forme sans tes béquilles. Mm-hmm. Vraiment, Dieu est bon. Dieu fait grâce. Alors, Eddie, dis-moi, hein, moi, j'avoue, je me confesse un peu. Lorsque tu as annoncé ton retour sur scène avec Voilà moi, tout ça, j'ai pensé que j'allais devenir chanteur. J'ai dit ça là, c'est pour venir faire les choses de Toto Clessali. Est-ce que c'est mauvais de devenir chanteur? Non, je n'ai pas dit le contraire. Mais la plupart des gens qui traversent les grandes épreuves, ils ne font plus d'artistes profanes, ils deviennent d'artistes religieux. C'est ça même qui est bon. Tu vois un peu. Tout le monde doit chanter à la gloire du Seigneur. Dis amen, ma fille. Amen. Bah, Dieu va t'appeler bientôt. Mais il faut dire amen aussi pour ça, là. Mais non, non, qui t'a dit que je ne chante pas à la gloire du Seigneur? Si, je le fais. Voilà. Juste que c'est mon travail quand je suis sur scène. Non, non, tu vas. Thaïs Blom, son femme. C'est bien, ma fille, c'est bien. Voilà. Continue comme ça. Donc, Eddie, est-ce qu'on doit s'attendre à ça venant de toi? Oh, bon, je peux dire que c'est obligatoire, hein, parce que, bon, je vais. Oh, mon français compliqué, là. Je te pose. Allons, Fafa. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que... Je veux dire que c'est obligatoire, parce que tu vois que quand tu traverses... Quand quelqu'un traverse des moments difficiles... Quand on dit difficile, là, c'est pas difficile. C'est pas manger hier, là. Où tu es là, il y a la mort à ta droite, il y a l'abandon à ta gauche, il n'y a personne du tout. Mm-hmm. Et puis, c'est là que tu vois la main de Dieu. Mm-hmm. Ce n'est pas aller dans une église, on a un petit problème. Non, c'est quand tu es entre la vie et la mort, c'est là que Dieu se manifeste. Et moi, je peux dire que j'ai touché... Mm-hmm. J'ai touché cette entité-là. Il n'y avait personne, par exemple, à Hachma. Et puis, j'ai vu une main qui me saisit et puis qui m'envoie à la vie. Non, si tu n'as pas fait ce jour à l'hôpital, donc, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Normalement... J'ai un ministère à faire. Mais je sais que les gens vont me critiquer pour dire que je suis un menteur. Non, mais ça, c'est... Il faut le faire. Oui, quand ça va venir, je pense prophète? Que... On m'a... Et ton nom de prophète sera? C'est Dieu qui donne. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et puis, il y a des hommes de Dieu aussi qui nous suivent. Voilà. On n'est pas en train de dire n'importe quoi. Oh, c'est ça. Quand on parle de prophétie, c'est qu'on a le... Je peux rentrer dans certains détails. Hein. On a le don. Je ne vais pas vous effrayer. Parce que ça fait un peu peur. Non, hein. Parle, mon fils. Nous avons déjà... On fera la quête tout à l'heure. Quand on rentre dans la spiritualité, c'est qu'on a été touché par le Saint-Esprit. Exactement. Et quand on a été touché par le Saint-Esprit, c'est qu'on est forcément prophète. Quand on a été touché par le Saint-Esprit, c'est que son magnétisme nous a touchés. Sa puissance nous a touchés. Donc moi, aujourd'hui, quand je prie, là, son onction descend. J'ai un ami qui me dirait... Eddie, tu veux dire quoi? Tu parles avec Dieu? Effectivement, je parle avec Dieu à travers son Esprit Saint. Et on a le Saint-Esprit éternellement. C'est ça. Amen. Donc si je rentre dans les détails... On ne va pas dire amen, non. Parce que si ça descend ici, il y a des gens qui peuvent tomber. Je ne dis pas que c'est vous. Mais il y a des caméramens, je sens qu'ils ont fait des choses pas trop sages. Eddie, l'émission, si j'ai besoin de mes cadreurs, on va s'arrêter. Alléluia! Vraiment. On va s'arrêter ici. C'est bon. Tu as posé une question, non? C'est bon. Vous n'avez pas dit vous aimez fouiner? Ils vont te délivrer ici aujourd'hui. En fait, c'est le pasteur même qui est assis. Honnêtement, dans cette absence scénique, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Oh, c'est le public. C'est le public. Parce que... Et puis, les choses ont bien changé. Moi, en fait, je suis un artiste un peu de compétition. Mm-hmm. Ça veut dire que j'aimais beaucoup sortir des chansons, comme tu l'as dit, là. Veiller à ce que mes chansons soient des tubes et tout ça. Et puis, j'ai fait pratiquement une dizaine d'années sans sortir.
Donc, c'est ça qui m'a un peu manqué, en fait. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Et puis, souvent, je croisais des fans, mm-hmm. peut-être depuis 2000. Aujourd'hui, elles sont des dames, elles sont dans des bureaux. Et disent, on faisait les balais ici, Ama, mon petit. Moi, j'étais ici, Ama, au quartier. Je dis, mais attends, je ne suis pas si vieux que ça. Oui, mais quand même. Cette jeune dame, cette jeune dame, on a fait le balai, oui. Elle était jeune quand tu chantais. Mais Ama, il me montrait un peu un truc. Avant, j'étais Mapuka, hein, maman. Mapuka, non. Hein. On a dit, voilà, mais Ama, Ama, le son Ama. Avec Eskeli, là. Quelque chose. Ballet de Ama, maintenant, sur nous. C'est ça, même. Non, à gauche, à droite. Ça, là, c'est ça. Le, à gauche, là, ça. Maintenant, ça, je me souviens, mes danseuses me disaient, mais ça, fais très attention. Le même pas. C'est le même pas qui ne change pas. C'est ce que je sais faire, donc. Mmh. Ouais, ouais, non. Ça, c'est jusqu'à la fin du son. Hein. On est dessus seulement. Ça, c'est les pas. Il y a une partie où il fait pause. Tu vois, la musique, la cadence baisse, danse, change hein? Un peu là. Tu fais un. Tu vois. Ah. On appelle ça les pas de repos. Les pas de repos. Les pas de repos. Ouais, repos. Juste, maintenant, il y a les pas de déplacement. Est-ce qu'on les pas de déplacement? Je vais pas commencer tous les trucs ici. Ah, mais descends quand tu as fait un rotoscope. Non, toi aussi. Non, Eddie, on est vraiment ravis d'être en ta compagnie. Oui, moi aussi, allez, moi sur ce, on va aller retracer musicalement le parcours de Eddie. C'est parce qu'ils t'ont touché là, que ta démarche a changé là. C'est parce qu'ils t'ont touché là, que tu as du mal à bouger, bouger, bouger là. Que ta démarche a changé là. Bouger, bouger là. Que tu as du mal à bouger là. C'est parce qu'ils t'ont touché là, que ta démarche a changé là. C'est parce qu'ils t'ont touché là, que tu as du mal à danser, danser, danser là. Que ta démarche a changé là. Bouger, bouger là. Titre qui te dévoile, puis tu nous sors aujourd'hui le mari que tu veux. Cependant, on a comme l'impression que la symphonie est inachevée. Pourtant, pour un artiste de ta trempe, lorsque tu... Moi, je me dis, tu refais un grand retour, tu devais être, je vais dire, acclamé, accompagné. Mais on a l'impression que c'est le grand silence, c'est le grand statu quo. Tes morceaux passent inconnus, en fait. Oui, en fait, c'était un problème de production. Ces chansons-là, je suis rentré en studio avec mes propres moyens. D'accord. Mais Dieu a fait que ben, j'ai été contacté, ou bien peut-être que j'ai croisé le chemin d'une dame qu'on appelle Mathie Dollard, que tout le monde connaît. Mm-hmm. Donc, ben, voilà, par une grosse coïncidence, elle est venue et puis elle s'est souvenue des artistes, souvent aussi en difficulté, des jeunes talents. Et puis elle s'est dit, bon, voilà, et je vais les accompagner aussi. On m'appelle, on me dit, Mathie Dollard veut te croiser, elle veut te faire revenir sur scène. Mes fans aussi ont bien réagi, hein, parce que la première publication, mes fans de tous les pays africains et tout ça, « Maman Mathie Dollard, merci pour ce que tu fais pour Eddie. » Donc elle est bloquée, elle est obligée de faire ma promotion. Mmh, elle voulait te faire en son Emma Dobré. Attends, ce que tu as dit là... C'est ça. C'est Emma Dobré. Oui, bien sûr. Kérosène. Oui, bien sûr. Mais pour... Oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc, et ça, mais va, ça bien... va aller. Et ça va bien s'achever comme pour Emma Dobré. Très, très Kérosène. Bien. Je te vois à être question... Non, mais non, non, t'inquiète pas, c'est bon. À double tranchant. Mais c'est vrai qu'il y a une époque aussi, on ne sait pas... Si tu parles d'Edien, il aime femme. Mais on a un... Mais c'est un joli garçon aussi, il n'aime pas femme. En fait, c'était... Les enfants aussi, hein.
6 ans, 5 ans, c'est 2-6. J'étais 5, non? T'as 6. T'as 6? Ah, bon, d'accord. Et puis, mais il y a une avec la même femme. Là, il dit que... Oh, chacun des enfants a sa mère. Il a dit... Mais je veux dire, je suivais le papa Mewé. Vous savez, avant, là, quand on chantait, là... Ah, on a, moi, mon idole, là, c'est Mewé. Ah non, j'adore. Ah, donc, sur tous les plans, hein. Non, idolé, vous vous idolez. Non, il m'a contaminé, mais dans sa manière de faire. Papa Mewé. En tout cas, ah, quand tu es bien copié, c'est son idole. Allez, on part maintenant pour le débat de ce soir. Est-ce une obligation d'aider les parents? Oui, je sais que ça vous énerve déjà. Genre, ça, c'est quelque question qu'on ne pose pas. Est-ce que le centre fait débat pour ça? C'est ça, je vous ai dit, c'est l'émission en question, c'est l'émission qui vous énerve, l'émission qui débat toujours autour des sujets houleux et des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, est-ce une obligation pour des enfants d'aider leurs parents? Eddie. Ouais. Bon, pour moi, la question est posée. Hein. Mm-hmm. Bon, pour moi, ce n'est pas une obligation, mais nuance. Mm-hmm. C'est un devoir. D'accord. Pour moi. Okay. Parce que obligation, il y a la contrainte dans obligation, en fait. Mm-hmm. Mais dans devoir, il y a l'honneur dedans. Ça veut dire qu'on ne te force pas, hein, mais c'est ton parent, c'est ta petite sœur. Mm-hmm. Si elle te demande 50 000 francs pour soutenir son commerce, si tu veux, il ne faut pas lui donner. Mm-hmm. Quelqu'un au carrefour, au coin de la rue, là, va lui donner 50 000 francs. Mais ils vont la bafouer. C'est la famille qui est déshonorée. Donc, c'est un devoir pour quelqu'un d'aider son parent. Mais alors, pas une obligation. Quand on dit une obligation, l'Africain ou bien peut-être, la personne du monde se sent... Contraint. Il y a une contrainte, en fait. Il sent qu'on lui met les mains autour du cou là pour le forcer. Mm-hmm. Non. Mais c'est un devoir. C'est ce qui est juste qu'il doit faire. C'est ça. Voilà, c'est ce qui est juste. Bon, tu te dis que quand on dit bon ami, les bons amis, c'est quoi? C'est entre amis, tu vois, se soutenir. Mais ton parent même, la personne qui a ton sang. Donc, c'est un devoir d'aider son parent. Ça va au-delà même de l'obligation. Parce que quand on dit obligation, il y a un peu la contrainte dedans. C'est ça. Ça ne convient pas trop. Mais pour moi, c'est un devoir. Mais c'est que le devoir même, quand la loi dit que chaque citoyen a des droits et des devoirs, lorsque tu manques à tes devoirs, vis-à-vis de la loi, la loi vient te faire obligation de remplir à tes devoirs. Donc, tu vois que finalement, moi, je pense que ça devient même une obligation. Et même si tu n'aimes pas qu'on le dise, moi, j'ai envie de dire oui, il s'est obligé d'aider ton parent. Parce que nous, moi, je parle des parents de la filiation, hein, c'est-à-dire que le père et la mère. Hein, je parle de ça, mais je parle pas de l'ancien oncle, de la tante, de... Non. Ça, c'est... Je parle de la filiation. Tes parents t'ont donné la vie, ce qui n'a même pas de prix. Ce qui n'a pas de prix. Et je pense que rien que pour ça, tu te dois de les honorer jusqu'à leur mort. La Bible même dit qu'on doit honorer, c'est ça, non? Oui. Son père et sa mère. Et j'ai vu un verset biblique, c'est 1 Timothée 5, Rome, tu vas vers le pastorat. 1 Timothée 5, je me sens touché. Au verset 4, parle. Où c'est dit que on devrait mettre en pratique notre foi envers notre propre famille et rendre ainsi aux parents ce qu'on leur doit. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui a dit. Donc, ce qu'on leur doit là, c'est quoi? C'est pas crédit. On leur doit la vie. Et donc, on doit leur rendre, pour cette vie qu'ils nous ont donnée, on doit leur rendre tous les honneurs. Faire honneur à ton parent. Voilà, je veux rebondir sur le petit mot que tu viens de sortir, là, honneur. Oui. Dans une famille, là, il y a l'honneur qu'on défend. Mm-hmm. C'est ça, c'est invisible dans les actes, mais c'est ce qui fait la base de la famille. De la famille. Une famille sans honneur, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a la pyramide, là, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, les frères et tout ça. Mais quand il n'y a pas d'honneur, mais même s'il n'y a pas des milliards, mais ce soutien-là qu'on s'apporte. C'est ça qui est bon. Voilà. D'accord. Voilà, ce soutien qu'on s'apporte-là, c'est très important. Moi, je pense que d'accord. Obligation, les gens vont penser, parce qu'il y a des gens qui sont très pingres aussi, hein. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont nés méchants même. Quand on dit obligation de payer les impôts, non, là, pourquoi ça l'énerve même? Lui, mais quand on lui parle de soutenir un frère, ça l'énerve. Ah, d'accord. Mais c'est une obligation, en fait. Parce que si le grand frère est déshonoré, toi, tu es déshonoré. Si la petite sœur est déshonorée, si la mère, le père sont déshonorés, toi, tu es déshonoré. Ça, c'est seulement... Et la raison. On sent que tu as vécu ça. Non. Tu es en train de faire boucan, puis ta maman ne mange pas. Pas que j'ai vécu ça,
je suis pressé de faire le ministère. Donc, non, déjà, après, on sent ça dans la geste. Pour enchaîner un peu sur ce que Ezi a dit, c'est seulement quand la famille est soudée qu'il faut réfléchir comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mm-hmm. Tout part de la base, ce que les parents ont inculqué aux enfants, des grands frères aux petits frères. Si moi, je suis une petite sœur, par exemple, désolée avec mon micro, si je n'ai pas, reçu les bonnes manières, comme quoi se soutenir en tant que frère et sœur de mon grand frère, je n'aurais pas à ramener en fait, l'appareil. Pour ma part, moi, je pense que non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aider les parents. Parce que lorsque deux parents, c'est-à-dire maman et papa, décident d'un accord commun de mettre au monde un enfant, c'est un choix. L'enfant n'a rien demandé. Voilà. Donc, quand l'enfant grandit, pour ma part, il n'est pas obligé de rendre l'appareil, mais c'est plutôt une volonté, on va dire ça. Une volonté. Je peux dire quelque chose? Voilà. Si il se trouve que... Bon, c'est juste un exemple. Si il se trouve qu'un des parents est déshonoré, est-ce que ça touche cet enfant-là? Évidemment que oui, ça touche cet enfant-là. Il est bafoué. Donc, lui, par rapport à l'honneur de la famille... Oui. S'il y a un problème en famille, pourquoi souvent il y a des réunions de famille? Pas forcément l'argent. Hein. On vient et puis on se soutient. On expose les problèmes. On dit, bon, peut-être qu'il y a l'autre qui doit envoyer ses enfants à l'école, mais comme il a été renvoyé, il a des soucis, on doit le soutenir. Il y a l'honneur qui doit faire une base. Oui, ça, c'est un soutien. En fait. Mais aujourd'hui... Mais ce n'est pas une obligation. Je peux soutenir, mais ce n'est pas une obligation de le faire. D'accord. Aujourd'hui, on sait tous que la vie est devenue dure, chère. Les problèmes augmentent, le carburant, le loyer... Mais on va regarder tout ça là et puis venir mettre encore les charges des parents ou même d'un parent sur nous. Par exemple, ton cousin va t'appeler pour dire non, ah, mon fils n'est pas encore allé à l'école. Ou bien ta cousine, là, elle a valé mater au village. Pendant que toi-même, tu as tes problèmes. Quand on regarde ça là, est-ce qu'on peut encore soutenir non, je veux, le je parent? C'est, je pense que c'est le sujet que vous avez soulevé là est très important. Hein. Parce que si on veut essayer de sauter ça, forcer, ça nous ramène au soutien des familles. Pourquoi? Quand il y a un décès, par exemple, dans une famille, bon, moi, j'ai joué les pingres, oh, je vais me jouer les blancs, ah non, non, les temps sont durs, machin et tout ça. Mais quand il y a un souci, s'il y a un décès, si moi, je pars, ou bien j'ai un enfant qui part là, c'est pas moi-même seul, je vais soulever le cercueil de mon enfant, même si ma tête peut aller l'enterrer. Hein. J'ai besoin des parents. Non, c'est obligatoire. J'ai besoin des parents pour me soutenir. Et moi-même, quand je pleure seul, mon enfant même là, les pleurs là même là, je ne sens pas les pleurs. Ah bon? Ah non, non, c'est quand j'ai... D'accord, pas... je chasse la mort... On va voir si grave la même avis que nous. Non, non, ce que je dis est très important. Hein. Ce que je dis est très important. Ça nous ramène forcément à ce soutien-là, je veux dire, inter-parent. Okay. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Ça va bien? C'est pas là, oui, d'accord, il y a aussi depuis moi. Je te vois. Depuis moi? Oui, depuis. Yeah. Dans quel quartier? Alors, là. Moi. Elle est pas manoise. Eh, elle est. Oh, elle est partie. Va pas aller comme ça. C'est difficile. Tu sais, quand tu dis les temps sont durs là, oui. Tu as donné quoi même à ton parent puis qui va te ruiner même? La vieille, même souvent, elle est au village, elle veut seulement un petit sac de riz. C'est pas ça qui va te ruiner. Souvent, même vous faites ça, vous avez les deux, trois maîtresses ici, vous vous en occupez correctement. C'est une question de volonté. Et puis, il faut qu'on se dise la vérité. J'aime bien ce proverbe africain qui dit « Nourris ton enfant jusqu'à ce qu'il pousse des dents pour qu'à son tour, il te nourrisse quand tu les auras perdus. » Donc, ça veut dire que c'est une question de réciprocité. L'affaire de parents, ce n'est pas seulement une question de filiation, ça va au-delà, c'est l'engagement. Si tu t'es occupé d'un enfant, de son petit, jusqu'en tout là, tu ne vas pas venir dire que non, mon fils, il s'est pas occupé, mon père ne s'est pas occupé de moi. Donc, forcé, tu sais que ton père s'est occupé de toi, donc c'est forcé. Mais quelqu'un qui ne s'est pas occupé d'accord. de toi, il ne peut pas venir te réclamer de l'aide. Okay. Un parent, il fait un enfant et puis il reste qu'il n'est pas d'avis. De... Hein? Bonsoir, Monsieur Franck. Oui, madame. Ça va, Benjerville? Oui, ça va. Super. Alors, pour vous, est-ce une obligation de s'occuper d'un parent? Oui, je pense que c'est une obligation parce que, à mon égard, parce que tes parents ont pris soin de toi et aujourd'hui, ça marche pas. Tu es obligé de t'occuper d'eux. D'accord. OK. Alors ça, c'est le volet papa-maman, on va dire ça, très coincé, le lien très serré.
Imaginons que c'est un cousin, une cousine ou même votre sœur. Est-ce que c'est une obligation de venir en aide à un cousin? Non, je pense que c'est pas une obligation. Non, non, non. Moi, je lui ai dit, ton cousin n'est pas obligé de t'aider. Oui. Voilà. Si mais... Au fait, c'est même pour comme une famille juive, voilà, pour que les gens en disent, ah, la famille, tant, voilà, tu peux aider ton cousin, sinon ce n'est pas une obligation. D'accord. Merci beaucoup. Non, mais effectivement, alors, toi, tu changes de bouche comme ça. Regarde. Oui, mais bon, après, que ce soit un cousin ou pas un cousin, on dit aider. Aider, c'est pas une obligation. La personne est dans une situation difficile, la personne est dans la détresse. D'accord. La Bible même dit d'aider son prochain. D'accord. Il ne parle même pas de son parent. Oui, mais il a dit, il nous demande, en fait, comme il dit, Dieu nous demande d'aider. Mais Dieu ne nous dit pas que c'est une obligation. Tu sais, on a des parents comme ça qu'on aide. C'est une obligation. Mais ne te trompe pas pour les aider. Parce que quand tu commences comme ça, là, tu dois faire jusqu'à la fin. Non, mais ça, c'est autre chose. Que nous-mêmes, ça, c'est des arguments. Justement, non, je t'explique. Mais en réalité, tu ne penses pas que ça va permettre de solidifier les liens entre vous? Non, on n'a pas besoin, de se partager de l'argent pour savoir. La présence, même souvent, même suffit. Ah. Si je veux montrer à ma famille que je l'aime, oui, bien sûr, c'est la présence. Il y a des aides, on a besoin de ta présence. Mais il y a des... Non, si. On a des parents aujourd'hui qu'on aide là. Quand tu commences, tu dois faire jusqu'à la fin. À tout moment, ils vont appeler pour dire d'accord. Tel enfant, son pied est coupé. Non, on s'est réveillé le matin, canal est fini. Mais Eddie, pourquoi non, tu à midi, pas... on fait quoi problème, on a aussi nos problèmes. On appelle de s'ouvrir, on revient à toi, réalité. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Ouraga, j'appelle de s'ouvrir. Bienvenue sur le plateau. Alors, est-ce une obligation d'aider un parent? Rassure-moi, tu es bêté? Oui, je suis bêté. Bêté, c'est obligé. Ça, c'est obligé. Ça, c'est comme ça. C'est ça, non? Pas. Moi, je suis d'accord avec Eddie. La famille, c'est la famille. Il a parlé d'honneur. C'est l'éthique d'une famille, l'honneur. Voilà. Si tu ne veux pas aider un parent qui est bafoué quelque part, c'est ton nom qui est bafoué, c'est ton nom qui va. Le parent, il porte ton nom. Alors, c'est le nom qui est bafoué. Donc, moi, c'est bafoué. Quand il passe, on dit, ouais, monsieur tel a fait telle chose, tu te sens directement concerné parce que tu portes le nom. C'est ça. Alors donc, quelque part, c'est cette obligation d'aider la famille. Voilà. D'accord. Il parle du nom de la famille qui doit être honoré. C'est pas joli, même. On dit, dans votre famille, là, lui, là, le plus grand voleur, là, c'est de la famille, bien. Mais c'est un voleur. C'est pas joli, c'est pas bon, entendre. Merci beaucoup. Donc, l'honneur, c'est important. C'est important, merci beaucoup. Ton cousin voleur, alors, Raïté, on parle d'honneur depuis. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais? Imagine, on dit que tu n'aides pas ta famille, parce que pour toi, ce n'est pas une obligation. Oui. Tu fais quand tu as envie. Je le fais quand je décide. Frère, on dit ton frère, là, est voleur. Oui. Tu vas le laisser comme ça? Mais c'est là, maintenant, on parle de l'éducation. Si son éducation a été ratée, là, moi, il peut faire quoi? Mais est-ce que ton frère ne va pas à l'école? Non, il ne va pas à l'école. Je peux aider mon frère, je peux mettre mon frère à l'école. Mais ce n'est pas une obligation. Mais ce n'est pas une obligation pour moi de le mettre à l'école. Tout dépend de moi, de ma volonté. D'accord. Voilà. OK. Ce n'est pas une obligation. Ouais, on sait aujourd'hui qu'il y a des parents qui ont des attentes déraisonnables. Ils vont venir te t'accabler, comme tout à l'heure, Héraïté le disait. Ils vont venir avec des sommes, des grandes demandes. Parfois même très abusé. Oui, dans ce cas-là, est-ce que tu vas te sentir encore obligé de te dire qu'il y a l'honneur à défendre, je vais les aider? Bon, en fait, je pense que tout n'est pas une question d'envoyer forcément de l'argent. C'est ça, il y a l'accompagnement. On résume tout à l'argent. Il y a l'accompagnement. Il t'appelle seulement pour te demander l'argent. Non, ça dépend de quel parent. Oui, ce que je veux dire, ce parent-là qui a toujours un problème financier. Non, mais André, avant, j'en faisais partie. Attends, je vais finir. Rapidement, non, mais toi, tu ne faisais pas partie ou pas. Allô, Jean. Oui, allô. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors, Jean, dis-nous, pour toi, est-ce une obligation? Oui, bon, pour moi, c'est une obligation de s'occuper de la famille. Parce que en Afrique, on a ce lien d'aider son prochain là, tu es en nous. Et lorsque on n'aide pas la famille, comme Eddie l'a dit, après ça se retombe sur nous. Puisque moi j'ai vu des situations où des gens ont voulu se jouer au bénis. Mais vers la fin, ils ont eu recours à la famille.
Ils ont recours à la famille. Donc, la famille est sacrée pour nous en Afrique. Donc, lorsque, si tu n'as pas les moyens, là, c'est notre cas. Mais lorsque tu as les moyens d'aider ta famille, il faut aider ta famille. D'accord. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, physiquement, tu peux aider la famille. Si tu n'as pas les moyens, même, ils ne vont pas t'appeler. Voilà. D'accord. Ils ne vont pas t'appeler si tu n'as pas les moyens. Ça, tu as vu voilà. Juste. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup et bonne année. Voilà, j'ai même pas pu souhaiter bonne année à tous les appelants, malheureusement. Donc, bonne année, meilleurs à tous ceux qui nous ont appelés. Alors, oui, Edith, tu disais? Oui, je disais qu'en fait, c'est pas forcément l'argent. L'argent, c'est en tant que matière, comme ça, des transactions et tout ça. Mais il y a l'accompagnement aussi. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ne savent pas. Par exemple, garder l'argent économisé. Mmh. Par exemple, vous avez un cousin, chaque fois qu'on lui donne l'argent, là, il fait n'importe quoi. Mais attends, il faut le faire asseoir. Puis il faut lui dire, mais quel est le problème? Tu as perçu au moins 2 millions ou bien 1 million, 500 000 peut-être pour lancer ton affaire. Pourquoi tu échoues? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien tu ne mets pas du sérieux dedans ou bien plus. Mais il faut l'encadrer, il faut lui... Un moment, il va s'asseoir, il va dire, waouh, je faisais comme ceci, mais les parents ont dit de faire comme cela. Mais il faut l'accompagner. Parce que cet argent-là, tu sais, souvent, quand on construit les grosses maisons, machin et tout ça, on construit tout ça, là, on achète de belles maisons et puis le lendemain, on tombe, on meurt. Moi, je pense que la meilleure manière de vivre, la plus belle des manières de vivre, c'est d'être utile à son prochain et encore même à son parent. Justement, voilà, Maïté, est-ce que tu ne penses pas qu'aider ses parents, ça leur permet de vieillir, de vivre même dans la dignité, dans un environnement sain et familier? Bon, pour moi, pour ma part, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est clair que je ne suis pas dans l'obligation de le faire quand il demande, mais ayant reçu, par exemple, une bonne éducation, une bonne base... C'est un rôle que tu campes pour l'émission, mais réellement, tu n'aimes pas peut-être, aider. Peut-être. Mais non. Parce que tu ressembles à une gentille dame. Et non, puis non, ne vous fiez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas à l'apparence. Hein. Parce que pour moi, je dis... je peux avoir l'envie après l'émission, je voulais te demander 10 000 balles à la série de l'émission. Je peux être une personne qui aide, mais je le fais quand je veux, quand je décide. Pas qu'on m'y oblige, en fait. On a des parents qui appellent à chaque fois, qui vont te dire aujourd'hui, « Allô, Raïti, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider ?» C'est ton frère, comme tu dis, « Oui, mais c'est ta maman, bien c'est ta tante et tout. » Tu vas le faire, une fois, deux fois, trois fois. Mais il y a des parents qui abusent. Il y en a d'autres, quand tu ne fais pas même, le jour même c'est tu ne fais pas, ils vont... C'est un peu comme ils vont, des escroqueries. Oui, ils ne vont jamais se rappeler même du jour où tu as fait. Ils vont toujours charger le jour où tu n'as pas fait. Et une fois que tu arrêtes, tu rentres déjà sur la liste noire. C'est-à-dire, c'est terminé. Je te parle sérieusement. Moi, je le fais quand j'en ai envie. Oui, ça, d'accord. Tu as dit ça au moins. C'est une volonté. Non, je t'explique. Quand je fais, c'est une volonté. Tu en as envie. Voilà, maintenant, toi, tu as dit obligation. On dit, est-ce que c'est pas... Oui. Le fait de le faire, ça ne permet pas à ce que tu puisses... Voilà, donc j'étais en train de dire que... voilà. Non, c'est, il a coupé ce que j'étais en train de dire, en fait. Ayant reçu une bonne éducation, oui, Ahmed. Il y a des San Pedro. Ah, il est à Abidjan maintenant. Ah, il est à Abidjan maintenant. Toi, tu connais celui-là. Allô. Oui, il a demandé. Tu connais celui-là. Voilà, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ahmed. Bonne année à vous. Bonne année à toi. Merci à Ahmed qui m'a envoyé quand même un petit message pour me souhaiter. Tu n'es plus à San Pedro? Ah oui. Oui, il n'est plus à San Pedro, il est à Abidjan. Tu fais la vie de vos téléspectateurs, c'est bon. D'accord. En tout cas, bienvenue à Abidjan. Bonne année encore. Alors, Ahmed, dis-moi un peu, est-ce une obligation pour toi? Bon, pour moi, ce n'est pas une obligation. Ou aider un parent si tu n'en es pas. Ce que la personne demande, si tu n'en as pas, tu n'es pas obligé au fait. Oui. Voilà. Mais toi-même, tu dis que tu n'as pas. Non. Et puis, je regarde, c'est l'eau, seulement, pourquoi? Ah! S'il y en a là, s'il y a des qui veulent donner un kilo, bien des mille, ça va dire défendre. C'est clair. Comme Linda dit, quand tu n'en as pas, chaque fois tu donnes, le lieu qui arrête avant, ils vont te traiter de méchant. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, s'il y en a, on va faire un peu. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'accord. Merci beaucoup, Yao Ahmed. Vous savez, effectivement, on va conclure rapidement, mais je vais demander, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut agir sur le mental, le stress? Quand on se met dans la tête que c'est une obligation de donner aux parents, parce que tu es stressé. Il y a des fois, là, tu n'as pas, mais comme
La famille compte sur toi. Comment tu aimes ta famille? C'est une obligation pour toi. Tu vas même te livrer parfois à tes activités obscures. Vous pensez pas que parfois... Non, mais c'est non, mais c'est un stress positif. Si moi, je sais que je dois m'occuper de certains parents, ce stress que j'ai là, je pense stress, que... Stress, ça a son positif. Hein? Non, parce que tu sais, il y a des choses qui te poussent, qui te poussent à aller. Et quand tu sais... Moi je parle pas des... Quand on dit aider la même, comme il dit, c'est combien tu as donné, c'est combien tu as payé. Et puis regardez généralement, c'est pas des choses que tu dois faire chaque mois quand même. Ce sont des aides ponctuelles, ça vient ci et là. Regardez même en Europe, vous voyez les gens qui ont l'argent, ils envoient leurs parents dans des centres pour personnes âgées, ce qu'on les appelle les EHPAD. Et quand ils sont dans les EHPAD, les parents sont délaissés, ils sont là-bas. Mais la vieille mère, souvent quand tu causes avec elle au téléphone, elle est contente parce qu'elle a de la compagnie. Elle a juste envie que son enfant vienne la voir. Elle n'a même pas besoin d'argent, alors qu'ils ont tout le confort. Vous pensez que nos parents ici, là, quand par exemple ils deviennent vieux, ils disent qu'ils ne s'occupent pas de moi. Vous pensez que c'est une question d'argent? C'est une question plus d'attention que d'autres choses. Parce que la personne, quand elle devient vieille, elle a besoin de voir tout le monde réuni autour d'elle. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Ne voyez pas seulement l'argent. L'argent, là, c'est quoi? On va chercher, Tony, on va bouffer, on va partir. Je te coupe pas. Quand la vous parole. Avez l'argent, d'accord. Laisse-moi, je me coupe. J'ai fini. Quand vous avez l'argent, aidez vos parents, Tony, du mieux que vous pouvez. Mais tu es en train de parler pas, d'argent encore. Ils vont comprendre. Merci beaucoup, Eddie. Je suis en train de parler Tony d'argent. Raïté, merci beaucoup pour le débat. On conclut que ce n'est ni une obligation, c'est aussi une obligation. C'est ça, non? Là, c'est la conclusion. C'est bon. Mais, à chacun voilà, de voir ses manières de voir. On va te mettre d'accord. On va rester ici jusqu'à 23 heures. Aimons-nous les uns les autres. Peut-être même juste la pour conclusion. Lendemain. Comme Dieu. Pourtant, l'heure est arrivée, il est l'heure même de passer aux nos limites. C'est pas mieux, on partit faire nos limites. Allons. Allons. Alors, bonsoir Lidou. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien. Et chez toi? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Alors, est-ce qu'Alidou peut rapidement nous dire qui il est? Ben moi, c'est Djamoutena Alidou. Je suis athlète de haut niveau, athlète paralympique de haut niveau. Je pratique le basketball en fauteuil roulant et l'haltérophilie, ce qu'on appelle le para-powerlifting. Voilà, donc je suis né aussi dans la région de Dabou. Voilà, je suis père d'une fille qui a 10 ans. Aujourd'hui, elle est en 6e. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a boosté à vouloir vous diriger dans le métier du sport même? Bon, quand j'ai eu le bac, je suis arrivé à l'université d'Abidjan Kourou-Di. Je ne m'intéressais pas au sport. Je peux dire que c'est le sport qui est venu vers moi. Okay. Voilà, je vous explique. À l'université d'Abidjan, il y a un club qu'on appelle l'AUC, Abidjan Université Club. Il y a plusieurs sections. Et en ce moment aussi, il y avait un groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, qu'on appelle le GEFSI. Et c'est dans ce groupement-là qu'il y a une section de sport qui est affiliée qu'on appelle à l'AUC. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a eu une compétition, genre un championnat d'Afrique pour les personnes handicapées qu'on appelle Jeux de l'avenir des personnes handicapées d'Afrique, JAFAF. Et c'était la Côte d'Ivoire qui était le pays organisateur. Okay. Et donc c'est comme ça que un de mes amis handicapés m'a dit, mais Joe, on a un truc là, mais tu vas pas venir. Il a dit, mais vous, c'est vous qui faites le sport. Moi, il fait le sport. Il dit, Joe, viens. Il a dit, de venir comment? Il dit, non, de venir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont envoyé un cas pour prendre tous ceux qui étaient sélectionnés. Donc du coup, il me dit, Alidou, quand le cas vient, tu montes dans le compas. Il dit, mais il y a une liste, non, ils vont contrôler. Il dit, viens. Et lorsqu'on est arrivé à la descente, le coach a pris les différents comptes, a pris les listes. Puis, on les donne les gens. Mais toi, t'es qui? Tu n'es pas sur la liste. Bon, toi, mets-toi à côté. Quand on va finir de loger tous les autres, tu montes dans le cas et puis tu pars. Tu repars. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est là qu'un de mes gars qui était déjà logé, il me fait comme ça. Il me dit, reste. Je suis resté dans sa chambre. Donc moi, il restait dans la chambre, caché. Du coup, il y a un athlète qui s'est blessé. Et du coup, dans la chambre dans laquelle je suis, et que j'étais, et que, comment on appelle, le coach en question se dirigeait. Donc du coup, il vient dans notre chambre. Bon, il y a un athlète qui est blessé là. Qui peut remplacer cet athlète en haltérophilie? Moi, je sors de ma cage, dis-moi. Il dit, mais toi, tu n'es pas parti, mais tu es têtu. Il a dit, coach, je suis un têtu positif. Il a commencé à aller. Il dit, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'haltérophilie? Il dit, coach, moi là, tu m'expliques, moi, j'ai fait. Donc, j'ai demandé 100 kilos, on m'a donné 100 kilos, j'ai mis ça au plafond. Wow. Et j'ai été champion. Wow. Champion, j'ai eu la médaille d'or. Et c'est comme ça que ma carrière sportive a décollé. Est-ce que vous avez un message à donner aux personnes qui se retrouvent aujourd'hui peut-être dans ces situations comme vous? D'abord, il faut qu'ils croient en Dieu, ils croient en eux. Et le handicap n'est pas une fatalité, au contraire, c'est une force. Les personnes en situation de handicap sont des personnes
béni de Dieu, moi je le dis, ne regarde pas ce que ton handicap te pose comme difficulté, mais regarde ce que tu peux faire de ton handicap. C'est ça, quel que soit le physique, quelles que soient toutes les situations qu'on vit. Dans nos limites, nous brisons les barrières. Moi, je retiens qu'il faut forcer le destin. Oui. Si c'est la, il, parce qu'il écoutait son camarade, il a fraudé, il est parti, on l'a pris. Oui. En fait, c'est la partie là que Ali Dou, il a vraiment, il a un mental d'acier. En fait, et à travers sa situation, il dit aux gens, nous, on l'a regardé, on a nos deux pieds. Et puis, on se plaint tous les jours pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça. Lui, il n'a pas ses deux pieds, mais il a un mental de fer. Et il demande à tous les Ivoiriens que, quelle que soit la difficulté, là, il faut foncer, parce qu'au bout, là, il y a la gloire. Ça, c'est la zone de confort. S'il laisse ses deux pieds, là, il fait comme ceux qui ont les deux pieds et puis ils font rien. Généralement, non, c'est un handicap n'est pas enfin. Un handicap nous permet de nous surpasser. Sinon, Tony, puisque tu n'as pas inspiré ce soir, je crois que tu vas prendre la main pour le qui suis-je. Bon, allons-y, qui suis-je alors? (27) 22 42 58, c'est le numéro qu'il faut appeler pour repartir avec 30 000 francs de crédit de communication. Je cherche un artiste, mais qui suis-je? Mon premier indice, je fais partie des précurseurs du Zouglou. 27, 22, 40, 12, 58. On rappelle je fais que partie c'est 2 minutes top chrono. Des précurseurs du Zouglou. 2 minutes chrono, si vous appelez pas vite, l'argent va partir. On va garder notre argent. Ça va partir, on garde notre argent. Et puis on continue notre émission. Le pays est dû. Si on vous et puis demain, on en vient. On garde, je fais partie des précurseurs. Eh, il me blessé. D'accord. Doucement. Du Zouglou. C'est nous, on était au début. Les précurseurs, peut-être qu'ils ne comprennent pas. À quoi ça ne les appelle pas depuis là. C'est nous, on était au début de Zouglou là-bas. Allô? Bonsoir, bonsoir, MMB. Bonsoir, bonne année. Monsieur, bonne année. Bonne année à vous. Merci. Vous appelez comment? Vanier Armand. Monsieur Vanier, je fais partie des précurseurs du Zouglou. Vous pensez à qui? Je pense à Siro. Mais pourquoi? Ah, Siro. Pourquoi un coup comme ça? À Siro, il a pensé. C'est bizarre, pourquoi? Ça. Pourquoi? Il y a beaucoup d'artistes. Bon, on vérifie. Alors, deuxième indice, je viens de Batanikro. Vous pouvez changer. Ah, là, c'est que ça, je ne me conforte dans ma réponse. Ça vous conforte? Restez ferme. Alors, bon, troisième indice, De Cavaillès est mon patronyme. Ah, super, d'accord. Bon, on va découvrir, parce que si c'est Siro, c'est vrai que Siro, il s'appelle De Cavaillès aussi. Sylvain Abba De Cavaillès, mais ça m'étonne, lui, il a trouvé Siro un coup oui, comme un ça. Un coup comme ça, hein. Je sens que... Alors... Monsieur Vanier, pourquoi vous... Siro? Comment vous avez fait pour penser à Siro tout de suite là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a donné la réponse là-bas? Non, monsieur Vanier, il est parti. Ça, bon, c'est comme un miracle. On va enquêter sur cette situation assez louche. Bon, ici, en tout cas, félicitations qui forme, à lui. Oui, que... à lui avec Yodé, qui sont devenus célèbres dans les années 2000, qui forment le duo Yodé et Siro. Il fait actuellement le buzz sur la toile. Voilà, est-ce qu'il est reconnu comme étant un homme généreux? Cela a commencé par l'influenceuse Emmanuelle Keïta, qui a avoué que Siro l'aurait hébergé quand elle a divorcé de son premier mariage. Et s'en est suivi la déclaration de Clé Salé, qui a dit que Siro lui a donné sa voiture pendant 3 mois. Et puis lui-même, Siro, il a pris taxi. Donc gentils. Dans ça, des posts sont sortis avec un défi, des challenges. Siro, même Serge Benoît est venu mettre pour lui dedans. Et ils ont lancé aujourd'hui leur nouveau titre soutien aux éléphants, qui s'appelle La chanson des supporters. Je ne sais pas si on aura le temps de regarder un petit bout, mais ce n'est pas possible. Allez sur YouTube, regardez. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va aller maintenant pour le quiz musical avant de se séparer avec Eddy. Eddy, non, je suis là, juste derrière toi. Voilà. Alors, on te mettra des audios, tu nous donneras le titre ou si tu veux aussi les auteurs. Mais je préfère les auteurs. OK? D'accord. Les cas, c'est comme tu veux. Les auteurs? Oui. Génération positive. D'accord, on part pour le deuxième titre, c'est ça? Tant qu'on est dans ma génération, je suis à l'aise. Je
peux t'aider pour la fin, Aya? Oh, comment je peux oublier le nom de... du vieux père, paix à son âme, Anne Scofield, hier. Merci à toi, Deka. Merci, chers téléspectateurs. Merci, Aïté et Stony. Rendez-vous après demain. Oui. Ah bon? Rendez-vous après demain avec Mémé Cracra et Patricia Quadio. Eddie, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Franchement, c'est un régal. On s'est réellement bien amusé avec toi. Merci et bon beaucoup. Retour sur la scène. Merci beaucoup. À merci demain. À demain. Eddie, on peut danser encore, non? Oui, bien sûr. OK. Ben, je vous invite, hein. Ah non, on vous invite. Je suis toujours vivant, oh. Aujourd'hui, voilà moi, oh, yeah. Voilà moi, oh. Je ne suis pas moi, oh. Je suis toujours vivant, oh. Alléluia, eh. Je n'étais plus le même, ça je dois le dire. Car trop de choses ont piétiné ma vie. Et quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Dans ma tête, pour moi, c'était fini. À un moment, j'étais programmé parmi les morts. Beaucoup m'avaient déjà enterré. Mais mon Dieu m'a dit, mon fils, tu vivras. Voilà moi. Deux.